back full healthy now? Ah, good. I had a few knocks also during the 3 weeks. It limited my training a bit, but it was nice to play. Of course, the win also, so everything's good. How do you feel? How can you help the team? Oh, well, like how you saw in the goal, maybe the speed helps always, especially when coming off the bench. You have fresh legs against a little bit tired legs, so that's kind of easy then. Lastly, it's been a while since you've been able to play consecutive games and build on something. Are you confident right now that you are at the beginning of something where you can start putting games together? Yeah. In football, you never know. It's knocks. It can be something else. But now I feel good. I have no complaints. So I feel good. So, yeah. You played a lot as a wing back up until last year. Now it seems your role has maybe changed a little. I mean, you can still be used as a wing back, but sometimes even as a winger, striker. Have you started to understand a little bit more of what's going to be your role now under this coach with this team? I mean, I understand we have a lot of wing backs. We have a lot of great wing backs. So, there's a lot of fighting there, so I can play in other positions too, maybe more than some wing back. So that's why with my qualities, I can play with striker, winger. So, but yeah, I can play to both. The coach plays me where he thinks I'm the most useful. Okay, so you've had this conversation with the coach about your role, and what does he tell you that he sees you? Where does he see you on the field being most effective? I mean, I think it's pretty obvious my strengths are up high, not defending. I can do that, but the strength's always been attacking. So he knows that, and we had that conversation. Talk a little bit about obviously the win on Sunday puts you back in a playoff spot. It's got to feel good in the clubhouse to be back in that position. Yeah, but we know that it's super tight right now. So few wins or few losses in a row can change everything. So we just need to be concentrated and take a few more wins right now, so it's a little bit easier on the end of the season. How do you feel about the roster that you guys have right now going into this last push and trying to make the playoffs? Good. Same as the whole season. We know we can, we're confident. We're confident. We know we can beat good teams. We just keep on doing our thing. During the time off before last game, was there a message on what you guys really need to work on during that time off in the final stretch here to be at your best? And if so, what was it? No, just 3 weeks we did good sessions. We have good energy. We put our all in trainings, and we showed that on Sunday that we were much better conditioning than Toronto. So that's what we've been focusing on. What would be for you an ideal situation from now till the end of the season for Lassie Lapalainen, and personally, what are your objectives? What would you like to make sure that you do? Just be healthy. Just be healthy, help the team, and make the playoffs. It's been frustrating, obviously, I'm guessing. Of course, but that's how it is. Yeah. Do you know if you're going to play for Finland during the window? I know I'm on a waiting list, so I think it's around 30, 40 players, so it's a possibility, but I don't know. Thank you. Thank you. Are there? Parfait. Excellent. Ça roule pour moi. Enfin, on attend en pleine confiance, j'imagine, débuter 6 des 8 derniers matchs comme partant. Qu'est-ce qui fait? Comment on sent avoir la confiance d'entraîneur comme ça? Ça fait du bien de voir qu'on est dans les plans du coach et qu'on peut aider l'équipe. C'est sûr que avec cette confiance, ça m'aide à progresser de plus en plus. Donc, je garde ma confiance et ça fait du bien de retrouver le terrain après 3 semaines presque sans match. Donc, ouais, ça fait du bien. Personnellement, qu'est-ce que tu crois qui a fait en sorte que le coach a eu pas le choix finalement de te faire confiance? Ça, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais écoutez, je suis très content avec le fait qu'il me fasse confiance et je vais aller vers l'avant avec ça. À 19 ans, tu joues en MLS avec l'équipe de ta ville. Qu'est-ce qui est le défi d'abord d'évoluer professionnel à 19 ans? Puis après, j'ai envie de te demander, C'est un bon défi, je trouve. C'est le métier que j'ai toujours voulu faire et je suis content de pouvoir le faire dans ma ville avec mon soutien derrière moi, ma famille, mes amis, proches, etc. Donc c'est sûr que je suis dans les meilleures conditions d'après moi pour évoluer et je suis content de voir ma progression cette année. Je pense que ça va être de mieux en mieux. Ouais. Et au quotidien, à 19 ans, les petits défis, comme qu'un joueur de 25 ans ne vit pas, mais que toi, à 19 ans, tu vis?
honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas trop. Même il y en a moins. J'ai pas d'enfants encore, pas de femme à occuper, rien. Donc je pense que la vie va bien, la vie est belle pour l'instant. Avant de terminer juste une dernière, il y avait 5 partants québécois dans le 11 partants dimanche, 6 Canadiens. J'ai vu aussi, il y avait Chouinard à côté de toi, il y avait Sirois, vous étiez à l'écart avec les partants. Comment vous vivez ça ensemble? Vous avez tous grandi au sein de cette équipe-là, puis de vivre ça, battre Toronto, à Toronto, tout ensemble. Comment que vous vivez ça? Ça fait du bien. On est contents ensemble. On se dit des fois, on est ensemble, on a une bonne chimie, on parle ensemble. On a les mêmes sentiments sur le terrain, on peut se parler honnêtement, on est ensemble. Et ouais, ça fait vraiment du bien de voir qu'on a des coéquipiers avec qui on a grandi ensemble, dans la même ville, dans la même académie pour certains. Et ouais, ça fait du bien de se retrouver au plus haut niveau ensemble. Est-ce que tu sens que le jeu en avant de toi commence à ralentir pour toi? C'est quand je te vois avec le ballon au pied, la petite fraction de seconde que peut-être qu'avant tu ne pensais pas avoir, maintenant tu la prends, tu la gardes. Ouais, je pense que plus les matchs s'enchaînent, plus j'ai mes repères. Et je pense que ouais, j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus de temps avec le ballon que ce que je pensais. Avant, j'étais beaucoup plus précipité, mais maintenant, je pense que ça vient avec la confiance surtout. Et ouais, je pense que ouais. Qui sont les gars sur qui tu t'appuies, tu sais, comme dans un match comme dimanche sur le terrain? Tu es sur le terrain, tu sais, des fois, tu dois distribuer le ballon. Qui sont les gars qui sont tes appuis à toi? Il y avait Mathieu à côté de moi, donc on a beaucoup discuté, on parlait ensemble pendant le match. Tout ce qui est essayer de s'entraider sur Bernadeschi ou même au milieu de terrain, Ibarra, ou comme c'est un milieu de terrain aussi et qu'il joue à gauche, quand il rentre au centre, le laisser aller un peu plus vers l'avant, prendre sa place de temps en temps. Donc c'est des gens avec qui on peut discuter, d'avoir nos repères ensemble sur le terrain. Et aussi avec Jean-Anthony Vilsain, le parler vu que c'était son premier départ, mais je pense qu'il s'est très bien débrouillé sur ça. Et ouais, juste le guider dans tout ce qui est pressing et avec le ballon. Ouais. Et on aurait pu penser que certains jeunes joueurs auraient pu être un peu peut-être impressionnés de jouer contre justement Bernadeschi, Insigne rentré après dans le match et tout ça. Comment vous avez fait pour garder votre focus, votre calme par rapport à ça? Chaque match, on le prend de la même façon. Donc, il y a des grands joueurs dans chaque équipe. Dans notre équipe aussi, on a des grands joueurs. Donc, c'est le monde professionnel. Il ne faut pas être surpris avec chaque grand joueur qu'on va affronter. Il faut rester dans son match et être prêt à affronter l'équipe. Le but, c'est d'avoir les 3 points à la fin de la journée, donc on est concentré pour ça. T'sais, on voit la direction dans laquelle s'en va l'équipe. T'sais, un gars comme Rudy Camacho qui quitte. On voit Victor Wanyama qui a moins de départs. C'est vraiment les jeunes maintenant qui vont transporter l'équipe. C'est quoi la relation avec un gars comme Victor qui est le leader un peu, aussi un co-capitaine, mais qui présentement voit des plus jeunes prendre sa place? Là, il reste très positif avec le groupe. Je pense qu'il met le groupe avant lui-même et je pense que c'est positif pour tout le monde. Donc, c'est rien de négatif. Il montre rien de négatif envers personne. Il reste positif, il garde son rôle de capitaine et je pense qu'il fait bien. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais accomplir d'ici la fin de la saison pour toi personnellement? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Pour moi personnellement, j'aimerais bien avoir mon premier but. Je suis passé proche à Toronto, mais j'espère que ça va venir. Et j'approche des 1000 minutes, donc ouais, j'aimerais bien passer ce comment je pourrais dire ça? Ce cap, ouais, exactement. Qu'est-ce qui manque pour marquer ton premier but? Est-ce que des fois tu dis « Ah, j'ai une ouverture, est-ce que j'y vais, est-ce que je tire, est-ce que je pense? » Peut-être oser un peu plus au troisième tiers, accompagner plus dans tout ce qui est les vagues offensives faites dans la boîte et ouais, y être à chaque fois jusqu'à ce que le ballon tombe dans mes pieds et que je puisse marquer mon premier but. As-tu confiance en ton tir? Ouais. Ouais. On voit que Gilles Anthony, lui, ne gêne pas. Ouais, exactement. Peut-être que tu devrais prendre exemple sur lui. Mais ouais, j'ai confiance en mon tir. Je sais que je dois oser de plus en plus. Des fois, je me gêne un peu, mais ça va venir. Ouais. Tu vis des beaux moments présentement? Oui, très beaux moments. Ça fait plaisir avec l'équipe. On sait qu'on a un sprint final à faire pour les playoffs et on est tous très motivés, donc ça fait plaisir. Pour 30 minutes, là, comment tu l'as trouvé, Jean-Anthony? Non, il a très bien fait. Il n'était pas trop stressé avant le match, je l'ai senti confiant et je pense qu'on l'a tous aidé pour ça. Il se sentait aussi à l'aise avec des joueurs comme nous qu'il connaît très bien et avec qui il peut discuter, donc ouais, ça s'est très bien passé pour lui. Un acteur important d'ici la fin de la saison? D'après moi, oui. Il a eu une très bonne progression et il continue de montrer ce qu'il peut faire, donc d'après moi, ouais. Il préfère de très belles choses.